un bonbon avec la disparition de la lumière triangle lumineux, ou perforation, donc c'est des autorisques que l'on a à travers une perforation tympanique. À travers une perforation tympanique. Donc, l'examen autostatique, ouais, il gratte, donc c'est très important faire l'ouama. Parce que l'enfant ou la nourrisson, le nouveau-né, n'arrive pas à exprimer. C'est vrai qu'on a les mamans, elle a le problème, c'est qu'ils ont eu l'examen, mais il y a ouel ou malgache, il y a un problème de rougeur ou la. ونقول هيدا كان ما كانش رجعي سي Je vais essayer de vous donner l'essentiel d'examen clinique en oral. Bon, les choses que vous en aurez besoin lors de dépistage de la surdité néonatale. D'accord. Bon, au début, je vais essayer de vous montrer notre instrument. Donc, normalement, la table ORL dispose pour l'examen autologique. Nous avons les spéculums auriculaires, soit métalliques ou en plastique. Bon, on fait généralement une otoscopie soit par spéculum auriculaire et miroir de Clair, soit on fait une otoscopie par les otoscopes, soit on fait une otoscopie par le microscope. Bon, généralement, la différence, bon, pour faire un examen otoscopique au spéculum auriculaire, là, la vision du conduit auditif ainsi que le tympan va être plane. Contrairement à l'otoscopie aux otoscopes, généralement, on va essayer de voir juste une partie du tympan. La surface ne va pas être accessible comme pour le spéculum auriculaire. D'accord. Spéculant le microscope, bien sûr, c'est l'otoscopie idéale, puisque ça nous permet de faire un examen de la totalité du tympan. Ainsi, on peut faire des aspirations, on peut faire des instillations des gouttes. D'accord. C'est apparemment là où vous faites les examens otoscopiques, je pense que vous en disposez d'otoscopes. D'otoscopes, oui. Des miroirs de clave ou des spéculants. Donc on va essayer d'insister sur l'examen par les otoscopes. Bon, pour l'examen rhinologique, généralement on fait l'examen rhinologique par les spéculants nasaux, soit celui-là ou celle-là. On fait un examen rhinologique. Pour l'examen oropharyngé, généralement on utilise des abaisse langues soit en bois, soit métallique. D'accord. Bon, voilà que je vais essayer, bon, là, un enfant, on va essayer de faire un examen oral chez un enfant. Bon, on commence appareil par appareil. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. D'accord. Bon, au début, généralement, on doit par exemple par l'examen otologique. D'accord. Pour l'examen otologique, la première chose à faire, c'est l'inspection. Bon, généralement, fait l'inspection. La première chose à faire, c'est voir l'aspect du pavillon. Y a-t-il de ma formation à déceler? C'est la première chose à voir. Bon, je vous dis que pas bête, je vais vous ma formation. Donc, il y a une agénésie du pavillon. D'accord. Bon, par la suite, on inverse le pavillon et on voit le sillon rétro-auriculaire. Est-ce qu'il est présent ou non? Puis, on voit la région mastoïdienne. Est-ce que la peau d'aspect normal, inflammatoire, y a-t-il de cicatrices d'intervention, y a-t-il de fistules? D'accord. Avec une inspection. Bien sûr, généralement, le pavillon, je suis ma formation du pavillon,
ou bien du conduit auditif externe. Donc, comme elle a le sillon rétro-auriculaire et la région mastoïdienne, mais généralement on recherche une mastoïdite. D'accord. La mastoïdite, elle se manifeste par généralement effacement du sillon rétro-auriculaire. En plus, il y a un comblement de la région mastoïdienne, qu'on appelle généralement inflammatoire. D'accord, le majeur. Bon, la deuxième étape, l'examen oncologique. Bon, on fait généralement la palpation. La palpation, on fait une palpation du tragus pour déceler une douleur, une otite externe. D'accord. Bon, généralement, l'otite externe se manifeste par une douleur à la pression du tragus ou bien l'étirement du pavillon. D'accord. Par la suite, on palpe la région mastoïdienne à la recherche, par exemple, d'un empattement ou une fluctuation, bon, généralement, qui nous indique la présence d'une collection purulente. C'est le cas, bien sûr, des mastoïdites. D'accord. Là, pour l'examen otoscopique, inspection palpation, on passe par la suite à l'otoscopie. Bon, l'otoscopie, je vous ai dit qu'il y a trois manières de faire l'otoscopie, soit par on fait une otoscopie soit par le spéculum auriculaire et le miroir réglard, soit par un otoscope, soit par le microscope. Bon, si on commence un examen par le spéculum auriculaire, bon, on prend le miroir réglard, on le met sur le front, on va essayer de centraliser la lumière. Bon, le milieu du spéculum. On va essayer de mettre le spéculum au niveau du conduit auditif. Donc là, ceci, il faut toujours étirer le pavillon en haut et en dehors. Parce que le conduit auditif externe, généralement, il est oblique vers le haut. Donc lorsqu'on étire vers le haut, on va faire une perméabilité du conduit auditif externe. Donc on fait comme ça. On introduit le spéculum. Au niveau du conduit auditif externe, on tire vers le haut et en dehors, et on va centraliser la lumière au fond du spéculum. Et on va voir en principe l'état du conduit auditif. Bon, y a-t-il pour l'aspect normal ou elle est inflammatoire? Est-ce que le calibre est normal ou stérosé? Et par la suite, on va essayer de faire une vision du pavillon. Bon, aspect normal du pavillon, du tympan. L'aspect du tympan normal chez vous. Qu'on a lumineux, qu'il est transparent. Bon, aspect normal, tu as le tympan. Quand on recherche triangle lumineux. Bon, il a de la couleur. Monsieur rosâtre. Il est gris pâle, transparent. Mm-hmm. Bon, on va essayer de voir la manche du marteau, le centre. Le triangle lumineux, l'icône en terre ou inférieur. Mm-hmm. D'accord. Bon, vous essayez de faire une otoscopie. Bien sûr, l'icône plane, mais l'icône bombée, il n'est pas bombé. Étirons Très bien. Le milieu du spéculum. Tu étires juste pour que le pavillon, tu vois pas les pavillons. La couleur, il est blanc, il est gris pâle. Bon, ça va, donc il est physiologique. Hein. Bon, il est gris pâle. Bon, le la manche du marteau, mais là, c'est une chauffe. Tu trouves le triangle lumineux, parce qu'il y a des sécrétions. Il faut aspirer le patient, parce que la sang, elle est occupée de l'aspiration. Donc, vous allez voir un conduit qui est perméable, une peau qui est d'aspect normal. Tu trouves le tympan, il est gris pâle. Avec un triangle lumineux. Ah, après, je vois une grande partie du tympan et les visées. Bon.
microscope. Généralement la mobilité, mais c'est un spéculum. Il ne faut pas enfoncer le spéculum. Belex, vous essayez de jouer avec le pavillon. Le spéculum, il ne faut pas beaucoup manipuler. Parce que ça va faire une douleur pour le patient. Essayez de mobiliser le pavillon. D'accord? Oui. La lumière après là. Centraliser la lumière. خليناك تتا قول من غلطك ولا لا لا قولي غلطك ولا لا لا Généralement, c'est une hypertrophie des amygdales pharyngées. Bon, généralement, l'évolution, c'est la régression lors de la puberté. Mais généralement, on opère les gestations adénoïdes qui ont symptomatiques. Par exemple, des gestations qui posent un problème, un ronflement nocturne. Généralement, la maman elle vous dit que l'enfant il a une tendance à faire une hyperextension, ouvrir sa bouche, hypersalivation, il fait un appel de sommeil. Lorsqu'il fait un appel de sommeil, c'est une indication de ablation des gestations adénoïdectomie. D'accord. Bon, mais si les gestations ne sont pas symptomatiques, il faut les laisser, parce que l'évolution naturelle, c'est la régression. C'est bon, d'accord. Même amygdalienne. Donc, à partir de 2 ans, on peut faire ablation des gestations adénoïdes. Là où il y a une symptomatologie, il faut les opérer. Quel que soit. Bon, on a le problème des gestations adénoïdes, parce qu'elles ont un retentissement sur l'oreille. Elles sont pourvoyantes d'une otite chronique, laquelle otite séromycose. Elles font les otites séromycose. Là, parce que les végétations, là où ils font généralement apnée de sommeil, ou là, ils ont un retentissement auriculaire, il faut les opérer. Une végétation, des végétations adénoïdes qui font une otite séromycose, c'est une indication opératoire. D'accord. Oui, une otite séromycose. Ou le problème des amygdales, c'est même psychique. Je pense, c'est pas mon patient, je pense, c'est un syndrome tablette de sommeil. Parce que généralement, lorsqu'il fait des ondes simples, on programme le patient pour une ablation des gestations adénoïdes avec des aérateurs transtympaniques. Mm-hmm. Parce que le traitement de l'otite séromycose, au début, nous donne un traitement médical, mais s'il n'y a pas d'amélioration, il faut faire un aérateur transtympanique. D'accord. Bon, on fait généralement l'otoscopie par spéculum auriculaire, soit par otoscope. Bon, vous avez l'habitude de faire un examen otoscopique, otoscope. Vas-y. C'est la position. Moi, je vois mieux avec celui-là. Il n'y a pas de sécrétion ici. Le tympan, il est visible, ouvert. Le comble est chauffant. Toujours qu'il développe une otoscopie, il ne faut pas passer le comble directement le tympan. Le conduit, il y a pas mal de pathologies. Oui. Il faut explorer le conduit, puis vous passez au tympan. Si c'est enflammé, l'aspect si c'est un polype, très bien. Différent. Oui. L'otoscopie est le même principe. Bon, la position toujours. Introduire le spéculum auriculaire. Vous tirez toujours en haut et en dehors et vous explorez. Donc, comme l'inconvénient de l'otoscope, on ne peut pas explorer la totalité du tympan, contrairement au spéculum auriculaire. Là, généralement, on n'explore qu'une partie. D'accord. Autre inconvénient de l'otoscope, on ne peut pas faire des aspirations. Là, par exemple, en introduisant le spéculum auriculaire, on peut introduire son aspiration et on peut aspirer. Par contre, l'otoscope, on ne peut rien faire, juste voir.
مدام كاين لقاو لي بوشون سيرومان نقدروا نديروا لافاج اول كويفر بون بور لي بوشون سيرومان سواء اون في جينيرالمون اذا كان ان بوشون كي باري مو اي ني با اندوري نحطوا ان تي بو دوكسيجيني 2-3 مينوت اون في ان اسبيراسيون سي لو بوشون اي اندوري لا اي فو ادمينستري سيريس بوندون 3-4 جور اي بار لا سويت فو كونفوكي لو باسون بور فار اون اسبيراسيون كاين دي كا صراو لنا دي كا صرفنا ديكا تاع الاخر دي مراد سورتو ماشي مشكل سورتو عند لي فياي كي نجيو نديرو لافاج او كيلا ديما ديرنا دي فيرتيج ديما سي لو بروبليم وين كنا نديرو ان لافاج او كيلا عند اون فياي يعني هكا درنا لافاج صرا لا فيرتيج Nous avons c'est une fistule, parce que lorsque tu fais une introduction, votre médecin pourrait faire tout ce côté. Bon, lorsque on fait une introduction du spéculum auriculaire, généralement le patient va sentir une sensation vertigineuse, d'accord, des nausées, des vomissements. Là, généralement, il y a un problème des canaux semi-circulaires. Mais ça, généralement, couvre les pathologies, otite moyenne chronique ou les stéatomatoses. Bon, elles sont pourvoyantes, ta fistule du canal semi-circulaire. Pour poser le diagnostic, généralement, on se base sur le signe de fistule. D'accord. Ce qui m'a dit, une vieille jette le bouchon, on a un lavage, on a fait le lavage, même pas maintenant. On a des vertiges, nausées, voilà, bête. Il faut explorer, parce qu'un lavage normalement ordinaire, il n'est pas pour voyant de vertige, nausée, vomissement, non. En quoi Non, même pour hyperforer, par exemple, qui fait les otites moyennes chroniques, généralement, oui, qu'il y a un écoulement, qu'il y a des otites chroniques, il faut assécher l'oreille. Voilà, c'est généralement pour l'oxygène. Oui, on peut prescrire, même le patient, à domicile, il utilise à domicile. Chaque jour, quelques gouttes. Pour une semaine, mais d'abord, convoquer le patient et voir à peu près. Non, généralement, on vise l'assèchement de l'oreille par l'oxygène. Il n'y a pas de contre-indication. Mais il dit, on est perforation, Non, c'est la manière. C'est la manière de. De poser les gouttes ou d'aspiration, il est trop traumatique. N'est pas le produit lui-même. Qu'est-ce qu'on recherche pour dépister la surdité? Qu'est-ce qu'on recherche pour l'examen normal? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Bon, généralement, bon, à part bon, tout le généralement fait surdité, on connaît une surdité congénitale, aucun la surdité acquise. Bon, pour surdité acquise, comme étant généraliste, il faut dépister l'otitéromycose. Il faut dépister l'oïcine. L'oïcine, comment dépister? Généralement, la maman vous rapporte les enfants. L'enfant, elle vous dit bon, que c'est un enfant qui n'entend pas. Le motif de consultation, c'est l'hypo acousé. Un enfant qui n'entend pas, qui n'est pas attentionné. Bon, généralement, le prof convoque la maman puisque. Elle dit à la maman que l'enfant il n'entend pas, il ne suit pas ses cours, il a généralement un retard d'apprentissage, retard scolaire très bien. Donc là, il faut faire un examen otoscopique. D'accord? On fait une otoscopie. Il faut toujours rechercher des végétations adénoïdes. Parce que les végétations adénoïdes, on trouve que c'est un facteur de risque de faire une otite séromycose. Donc, qu'est-ce que bon, pour une otite séromycose, comment elle se manifeste, une otite séromycose? C'est la disparition de. Le tympan devient gris. Voilà, initialement il est gris. Donc il va devenir mat, généralement comme blanc. Parce que je suis une otitéromycose, c'est quoi? C'est un épanchement rétro-tympanique aseptique. C'est une otite moyenne chronique, l'OASM. Bon, donc elle va se manifester par un tympan qui est mat. Cache la transparence dans le tympan. Il est mat. Bon, généralement, il y a une disparition des reliefs, à savoir le triangle lumineux mébinge, manche du marteau, il y a une hypervascularisation périphérique. Parce que le voisin a des phénomènes inflammatoires. Lorsque vous faites une tympanométrie, il y a une courbe de tympanométrie, elle est plate. Et toi, la tympanométrie, oui. Très bien, il y a une courbe qui est plate. La petite séromycose, elle a. Parce que généralement, la courbe, les mais les conditions. Pardon La courbe heavy, elle décrit généralement la mobilité dans le tampon. D'accord. Bon, pour qu'il y ait une bonne mobilité du tampon, il faut qu'on ait une équipression entre la caisse du tampon et le conduit auditif externe. Ou une différence de pression, qu'on ait une tendance à une courbe plate. D'accord. L'OSM, je vous ai dit que c'est un épanchement rétro-tympanique. La caisse, elle est remplie d'épanchements. Donc automatiquement, il y a une différence de pression. Donc ça va se manifester par une coupe qui est plate.
Bon, à peu près, donc généralement, comment vous dépistez l'OASM? Bon, vous orientez bien sûr, il y a la symptomatologie avec une otoscopie, vous orientez le patient vers un ORL pour exploration. Éventuellement, généralement, les OASM, bon, on traite l'OASM et on profite de traiter le facteur de risque, qui est les végétations adénoïdes. Mm-hmm. Bon, les végétations adénoïdes sont des facteurs de risque pour l'otite séromycose. Bon, puisque l'oreille, l'aération de l'oreille, elle se fait par la trompe d'Eustache. D'accord. Pour une bonne transmission osseuse, il faut que la caisse du tympan soit bien aérée. Une fois que la caisse elle n'est pas aérée, bon, il y a des phénomènes exsudats, transsudats, d'accord. Bon, on a maintenant une perte de bonne transmission auditive. Alors, on profite de faire généralement le traitement de l'otite séromycose. Un aérateur transtympanique et ablation des végétations adénoïdes. Mmh. C'est l'étude ou le symptôme, et on traite la cause. Mmh. D'accord. Docteur, on est amené souvent sur la période néonatale, des malformations de l'oreille externe, tout ça. C'est un motif en lui-même suffisant pour faire dépister la surdité ou bien c'est pas forcément... Bien sûr, parce que le panneau, il participe à la conduction aérienne. Parfois, on a un peu la déplétion. Bon, une fois qu'il peut être comme agénésie du panneau, bien sûr, il y a un problème externe ou d'acte... Bien sûr, on aurait un tout Je veux dire, ça peut, c'est-à-dire en lui-même, c'est un motif qui nous met, qui n'a plus de pouce à... C'est comme ça, lorsque j'ai commencé mon examen... J'ai commencé avec l'inspection. Bon, lorsque j'ai parlé de l'inspection, je vous ai dit, il faut voir la morphologie, du panneau. D'accord. Une connue anomalie, il faut la signaler. D'accord. Bon, là, c'est l'examen. Autre question? Très bien, la loi inflammée. Si nous même qu'il gagne une malformation, il faut faire une exploration de tout l'organisme. Donc généralement souvent ils connaissent un syndrome polymalformatif. D'accord. Madame, quand un bébé est en la maternité, bon, qu'il a la sonde madame, du côté droit, la sonde du côté gauche. كنت شويه ديك الشيء اللي نديتها تريزي ولا بون حنا قلنا طلب من الام بيبي تاعها ونشوفوا اذا كان كاش ما يكون نوت بروبليم اوزوفاجيان ولا سي بون اسكو لو بروبليم هذاك تاع لا تريزي فا تاع لاش ان سول كوتي اسكو يل فا روتونتير سور l'oreille ou... Non, après les coronales, généralement, maintenant, on a quand même la trompe auditive. Bon, elle s'ouvre au niveau de la paroi latérale du carin. Donc, malgré qu'on ait une atrésie coronale, mais l'oreille, elle est très bien aérée. Maintenant, c'est un problème. Pour l'atrésie... Bon, pour l'atrésie coronale et latérale, c'est une indication de perméabilité en urgence. Parce que si on n'allait pas sans, on dispnée. Qui te compte côté bas. Qui te compte bilatéral. Bilatéral. Très bien. Mais j'ai directement la néonate pour adresser le patient en urgence. On développe une perméabilité des fosses nasales en urgence. Bon, là, c'est un cas. Si une atrésie coronale unilatérale, maintenant, ce n'est pas une urgence. Bon, c'est un patient qui est candidat à une opération, mais généralement, on va atteindre à peu près vers la puberté. Puisqu'une seule fosse nasale perméable, bon, l'enfant est espéré, mais il n'y a pas de problème. D'accord. Elle est largement suffisante. Je n'ai pas de problème respiratoire ou la cyanose, maintenant, après. Qui définit la sonde, il y a une difficulté. Bien sûr. Justement, pour déceler une atrésie, alors on le teste. Bon, je vois à peu près ça, la perméabilité de la fosse nasale. Mm-hmm. Par exemple, vous placez la miroir de Glatzer. Mm-hmm. Je vois à peu près ce que qu'est une symétrie flux aérien. Bon, et par la suite, vous introduire la sonde. D'accord. Si elle bute, là, il y a une atrésie coronale. Sérum salé, les deux côtés, le côté que vous voulez. C'est bon, c'est perméable le sérum. Quelques gouttes. Il faut le deuxième, mais il faut que... Non, Bon, au début, vous l'orientez, je vous renvoie. Allez dire une carte médicale, bon, à peu près le problème. Ah, il va la suivre. D'accord, merci. De rien.
bon, j'allais dire. Pour la trésie coronale bilatérale, bon, il faut que je commence par exemple, vous avez des slèves, lesquelles la trésie coronale bilatérale, il faut faire d'autres examens, il faut rechercher une autre malformation. Parce que souvent, quand j'ai une atrésie, bon, on dirait par exemple une échoabdominale pelvienne ou la trognale, il y a souvent des pathologies associées. D'accord. Bon, autre question. À qui met la position de l'examen. On peut le faire coucher, la position couchée. Non. Quel examen? L'examen avec l'endoscope. Oui, bien sûr. Mais il y a de préférence. Mais généralement, on voit le garçon position assise. Il va quand une nécessité d'une position allongée, il n'y a pas de contre-indication. Bon, là, on a fait l'examen otologique. D'accord. Bon, il y a les bouchons de cerveau. Vous avez le choc de la présence des situations avec l'opéra. Le dépistage. Je pense à vous, moi. Bon, on passe généralement à l'examen rhinologique. L'examen rhinologique, on kiffe, on commence par l'inspection. L'inspection de la roche fou, la pyramide nasale. Bon, est-ce que la rhine est normale ou bien la rhine est déformée? Donc, on peut déceler un enfant qui a fait un traumatisme nasal ou non. Avec la on passe à la rhinoscopie. La rhinoscopie antérieure, elle se fait soit par K1-2, nous avons expliqué dans le nasal. D'accord, soit on fait par là, ou là. On regarde le premier. Généralement, un demi mois de terre, le centre. Généralement, les portables. Les portables. Source de lumière qu'elle. Source de lampe, en tout cas. Bon, donc là c'est le noir de clair au niveau du front, on centralise la lumière, et on passe sur les aquamères. Bon, là, au début, on chauffe à peu près l'état de la muqueuse. Est-ce qu'elle a un aspect normal ou inflammé? Là, elle est inflammée. D'accord, ben, on chauffe l'état du cornet inférieur. Il est normal ou hypertrophié. Généralement, les rhinites allergiques qu'on hypertrophie ou qu'on aspect à blanchâtre. Puis, on voit l'état de la cloison nasale. Est-ce qu'elle est normale ou bien elle est déveillée? Quelle est la déviation de la cloison nasale? Elle n'est pas symptomatique. Hein? Est-ce une jeune respiratoire? Très bien. Quand j'ai une maladie million. De Bon, le même principe, tu vois à peu près la cloison nasale. Tu fais la cloison nasale, l'état des cornets. Tu fais la cloison nasale. Juste elles sont adénoïdes. Comment les voir? Les sont adénoïdes, bon, elles ne sont pas accessibles par la rhinoscopie. La nasoscopie. D'accord. Là, généralement, elle a un examen de débrouillage. Mais voilà, le radio du caron profil. Bouche ouverte. Mais fais un truc mon père. Radio du caron, bouche ouverte. Généralement, tu as la présence d'une opacité. On regarde du caron. Malheureusement, on a dit un cliché pour la fistation adénomide. Mais l'examen clé, c'est la nasofibroscopie. Il faut voir les fistations adénomides. D'accord, on se base généralement à la clinique. C'est l'examen clé, c'est la nasofibroscopie. Bon, une autre chose. Le jeu comme bon vous dépistez le jeu que mes enfants ont un trouble de malformation. Bon, généralement la déviation de la cloison nasale est très fréquente. Déviation de la cloison nasale. Bon, il joue comme les traumatismes nasaux. Bon, qui joue comme les traumatismes nasaux, chaque fois après l'examen clinique. L'œdème, l'échymose, l'inspection. Je vous fais inspection. Y a-t-il une déviation de la pyramide nasale? Elle dit, vous insistez, elle fait inspection. La palpation, vous papez que je mets un craquement. Flopéen. Bon, maintenant vous faites une rhinoscopie antérieure. La question la plus importante, qu'est-ce que vous recherchez faire la rhinoscopie antérieure? Déviation de la cloison nasale, plutôt. Elle est très importante ou elle est fréquente pour l'enfant. C'est les hématomes de cloison. Je mets les hématomes de cloison. C'est une collection sanguinolente qui se trouve entre le cartilage et la muqueuse. Bon, la vascularisation du cartilage, elle provient de la muqueuse.
toute interruption de la vascularisation, ça va provoquer une nécrose du cartilage. La nécrose du cartilage est pourvoyante d'une perforation septale. D'accord ? Donc il faut déceler un hématome de cloison. Comment il se manifeste un hématome de cloison ? Généralement, tu vas faire une rhinoscopie antérieure, qui a au niveau de la cloison une tumefaction, comme généralement rouge, violacé. Ou le côté opposé, comme plein. Parce que le diagnostic différentiel tel l'hématome de cloison, c'est la déviation de cloison. La différence, déviation de cloison, généralement, il y a un côté concavité ou un côté convexité. Contrairement à l'hématome de cloison, un côté de surface qui est plein ou un côté qui a une excavation. Donc là, c'est une urgence, l'hématome de cloison. Avec, j'aimerais bien, en tant que généraliste, qu'on nous généralement agit comme des patients, à laquelle vous décelez un hématome de cloison et vous l'orientez en ORL. Parce qu'il faut faire un drainage en urgence, sinon, on a un déchauffe la perforation septale. D'accord. La radio Déjà la radio des OPM, elle n'est pas systématique la radio des OPM en matière de traumatisme nasal. C'est un élément médico-légal. Et bien quand tu as une agression physique, c'est un élément médico-légal. Et bien quand tu as une agression physique, on juge en fonction de l'examen clinique. Et bien qu'il y a des signes qui nous incitent à penser à une fracture, là il faut faire une radio. Sinon, il ne faut pas faire une radio. Une autre chose, une radio des OPM normales n'élimine pas la présence d'une fracture des OPM. C'est pour ça qu'il faut se baser sur la clinique. Bon, une fracture, elle se manifeste généralement par un œdème, une déformation. Bon, généralement, le patient présente des épistaxis, des ecchymoses. Bon, lorsque vous parlez, il y a un craquement. De la myoscopie, il y a une déviation de cloison. D'accord ? Là, généralement, on le patient sous anti-inflammatoire pendant 5 jours, maintenant la résorption de l'œdème pour poser l'indication opératoire. L'indication opératoire, la fracture des OPM, deux indications, soit le volet esthétique ou bien fonctionnel. Et bien, quand une déformation de la pyramide nasale, c'est une indication. Ou là, le patient il présente une obstruction nasale chronique. C'est pour ça qu'il ne faut pas se baser sur la radio des OPM, il faut se baser sur la clinique. La radio, c'est un élément médico-légal, ou bien, il va quand même dessiner en faveur d'une fracture, là, il faut faire une radio. Une radio normale n'élimine pas la présence d'une fracture présentérienne. Vous allez rechercher. Bon, également, je vais insister, pour un enfant, c'est rechercher hématome de cloison. Il ne faut pas passer inaperçu d'un hématome de cloison. Bon, on palpe également les points sinusiens. Généralement, je vais éventuellement une douleur. On a les points frontaux, on a les épines d'eau, on a les maxillaires. D'accord. Bon, l'examen oropharyngé, vous le faites généralement systématiquement, l'examen oropharyngé. Normalement, on place une abaissement, soit métallique ou là en bois. Également, on a toujours une très bonne couche de miroir. Ah non, on travaille généralement en bois. Bon, généralement, l'ouverture de la bouche, généralement, il ne faut pas trop un examen oropharynx, il faut dompler l'oropharynx. Il faut commencer par examiner au début l'état de dentition. C'est important de déceler des caries dentaires, parce qu'il faut orienter les patients vers les dentistes. Des caries dentaires, source de sinusite chronique de l'enfant. Donc, il faut toujours traiter les caries dentaires. Bon, je fais état de la muqueuse buccale, état de la langue. N'y a-t-il pas de glossite qui fait évoquer une anémie férébrile? Bon, je fais état à la joue. Je fais toute l'existence des aftes, laquelle des aftes. Bon, l'état du voile du palais. Mais quand je fais ma formation sur le voile du palais, c'est le fibre comme postérieur. C'est le fibre comme n'importe quelle malformation, la cavité buccale ou la flenée, elle peut retentir sur l'audition. Parce que l'audition, l'aération de l'oreille, elle se fait par la sphère rhinologique. Donc, n'importe quelle pathologie qui touche le nez, automatiquement, elle va retentir sur la fonction auditive. Par la suite, on fait examen de l'oropharynx. Bon, la différence entre angine et pharyngite. Donc une pharyngite généralement se manifeste par une inflammation de la totalité de l'oropharynx. Contrairement à l'angine, c'est une inflammation au niveau des amygdales. Inférieure à 18 mois, on ne parle pas d'angine. On parle de inférieure à 18 mois, ça n'existe. Bien sûr. Bon, une chose très importante. C'est pharyngite. Une chose très importante, il faut faire la part des choses entre une hypertrophie amygdalienne et une angine. Parce que souvent, ils ont les patients orientés
Red Lung Service pour une angina rubissant, alors que c'est une hypertrophie constitutionnelle. La différence entre une hypertrophie constitutionnelle et une angine, c'est l'inflammation. C'est l'inflammation. Parce qu'il y a pas mal de patients, il y a une hypertrophie qui est constitutionnelle. Ça pose un problème de syndrome d'Arlette-Soleil, mais ici, une angine à répétition. L'angine, qui dit angine, c'est inflammation. D'accord. Pour les angines, une chose très étrange, je profite de dire, il ne faut pas prescrire les antibiotiques systématiquement pour les angines. L'usage abusif des antibiotiques, ça favorise les résistances. Donc surtout que 80% des angines sont des angines virales. D'accord, donc il faut faire juste un traitement symptomatique. Et petite remarque, c'est pour les enfants. Maintenant, le programme national de lutte contre le RA, devant toute gorge rouge, c'est extensible. Donc chez l'enfant, si vous dites... Mais on ne peut pas faire la peur des chats. Là, je voudrais dire, même si vous êtes devant un enfant, vous avez peur de l'ERA, parce qu'on a toujours l'ERA, ça existe. Vous donnez la pénicilline, c'est pas la peine d'aller vers l'augmentation, vers le... C'est un programme devant toutes. Ça y est, bon, à l'état normal. Il ne faut pas prescrire les antibiotiques. Bon, monsieur un enfant, je fais première angine, mais quand je suis fière, mais quand je suis une dysphagie importante, mais quand je décide en faveur du bactérie, tu prescris la pénicilline. Non. Alors pour moi, je vois, il faut faire une restriction de l'utilisation des antibiotiques. Et 80% des angines sont virales. Donc au contraire. Qui par exemple, j'ai que ça aide un enfant qui fait des angines à répétition, lui bat le terrain, qui a généralement des amygdales qui sont cryptiques, et il fait des fièvres importantes. Non, ça, tu penses, tu penses généralement étiologie bactérienne. Sinon, il va à chaque enfant, il fait une angine des antibiotiques. Si on vous donne un traitement anti-inflammatoire, antipyrétique, pendant 3 jours, antalgique, pour essayer de soulager un petit peu l'enfant, anti-inflammatoire, non. C'est pas l'indication. Évitez les anti-inflammatoires au maximum. Bon, surtout les cellulites, les abcès dentaires. Attention aux ARS, parce qu'on a souvent eu des cellulites, voire des médiacellites, mais l'usage abusif des ARS. Surtout, il y a une association aux antibiotiques. D'accord ? Bon, limiter l'utilisation des ARS et limiter l'utilisation des antibiotiques. Traitement symptomatique et revoir le patient. Il faut revoir. Une fois que tu mets des traitements symptomatiques, ça aide. Le premier réflexe, pour toi, tu mets des antibiotiques, tu es soulagé. Hein. Il va évoluer bien. Bon, mets-toi un traitement symptomatique. Et convoquer le patient dans 48 heures pour juger l'état du patient. D'accord ? Généralement, une doxyclase, antibiotique. Traitement symptomatique. Il faut prescrire un traitement symptomatique pour une angine. Il faut soulager l'enfant. Mais il faut limiter l'utilisation des antibiotiques. D'accord ? Des fois, j'ai des enfants qui bougent la douleur. Après, légère, mais quand je la fièvre, pour qu'elle ait la douleur, pour qu'elle ait la maman. Bon, il va qu'un, bien sûr, il va qu'un érythématoplasmé, elle a complété le traitement de 10 jours. Avec un jour, normalement, il n'y a plus qu'une angine. Une angine érythématoplasmée, elle est bactérienne, elle n'a pas de discussion. Alors, on fait la discussion entre bactéries et virus. Les bactériens, le problème se pose là même pas. Autre question. Je viens de faire des mises à jour. C'est des mises à jour. Ou le cas de l'odeur, qui vient d'être l'odeur, alors qu'il y a une odeur, alors qu'il y a un souffle, l'examen, l'égo dentaire, comme le gâche. Généralement, les angines caséeuses, pour moi, les sources de mauvaise haleine. D'accord ? Même l'alo, c'est une indication opératoire. Généralement, je la parle à un enfant. Généralement, j'ai des femmes adultes jeunes. Bon, elles se plaignent d'une mauvaise haleine. Mais lorsque tu fais l'examen, tu trouves généralement des angines caséeuses. Bon, il y a un retentissement sur la vie sociale. Il faut opérer la patiente. Autre question ? Pardon, les végétations à répétition, elles peuvent entraîner une sinusite. Bon, tu veux dire les rhinopharyngites à répétition, parce que les végétations sont anatomiques. Mais bien, la végétation adénoïde, c'est quoi? C'est une hypertrophie. Hypertrophie des amygdales pharyngées. Non, c'est bon. Donc, il y a un terrain d'endo, des végétations adénoïdes, il fait des sinusites. Oui. Bien sûr, la sinusite chronique, généralement, il faut toujours explorer le patient. Souvent, il y a des gènes de végétation, il y a une déviation de cloison nasale, mais il y a des choses organiques qui poussent à faire une sinusite chronique, ou là, qui vont trouver les caries dentaires. Les sinusites chroniques, il faut toujours rechercher l'étiologie. Mais les végétations adénoïdes, souvent, on les rattache
aux antitéromycoses. Ils font des rhinopharynges à répétition et des antitéromycoses. La troisième fois que tu dis l'ablation de Bénin. Récidive, bien sûr, c'est écrit. Un dos, une sinusite, une douleur atroce. Un dos, une dessin, il y a un autre problème, pas un souci. L'âge? L'âge 17 ans. Sûrement, une autre information. C'est un prématuré. À explorer, une sinusite chronique, comment explorer? Parce que nous avons un examen oral complet, il faut même faire une TDM, rhino-sinusienne, pour déceler un problème, une anomalie quelque part, la sphère orale. D'accord. Si vous n'avez pas de questions, merci pour votre attention. Merci à vous. Je tiens d'abord à remercier Madame Gauguin et de la féliciter pour ses efforts et son travail. Je souhaite la bienvenue également à mes confrères, à cette honorable assistance. Alors, permettez-moi de vous présenter aujourd'hui quelques notions sur l'utilisation de l'appareil d'auto-émission acoustique, qui est l'appareil de dépistage des surdités, surtout chez l'enfant. Alors, le dépistage de la surdité, il est possible dès la naissance grâce à un test qui est objectif, non-invasif, simple, rapide, fiable et reproductible, qui est l'enregistrement des auto-émissions acoustiques. Ce test a été découvert en 1978 par un Britannique appelé Kant. Il s'agit d'un test de routine qui peut être pratiqué dès la naissance et chez les prématurés dès 30 semaines d'âge conceptionnel. Donc c'est un test qui peut être fait à J1 ou bien à J0, on va dire, donc le jour de la naissance. Le principe c'est quoi? Donc le test va détecter l'activité des cellules ciliées internes, c'est les cellules de l'organe de Corti, c'est les cellules de l'oreille interne qui sont responsables de la perception de l'onde sonore. Donc c'est quoi? On va capter l'activité ou le mouvement de ces cellules qui sera transmis alors depuis la cochlée à travers la chaîne ossiculaire, le tympan vers le conduit auditif externe et puis enregistré. Donc en fait cette fois on va écouter l'oreille, donc c'est l'oreille qui va émettre un son en réponse à notre stimulation sonore. Donc la stimulation sonore va entraîner une vibration des cellules ciliées. Cette vibration, c'est un son qui sera capté par un appareil qui est placé dans le conduit auditif externe, donc en réponse à une stimulation sonore. Donc la technique, c'est très simple. Il faut la pratiquer chez un enfant, de préférence calme, de préférence au sommeil, oui, qui dort, dans une salle qui est calme, de préférence insonorisée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va juste mettre l'embout dans le conduit auditif externe et l'appareil va directement enregistrer un bout. En réalité, c'est quoi? Donc l'appareil ou bien l'embout qu'on met dans le conduit comporte deux parties, un émetteur qui est le haut-parleur et un capteur qui est le microphone. Donc l'émetteur va transmettre un son, bien, va produire un son qui sera transmis vers l'oreille interne. Donc ça va faire bouger les cellules ciliées, ça va faire contracter les cellules ciliées. Donc ce mouvement va produire un petit son qui sera bien sûr transmis, donc par la voie inverse de la transmission de l'onde sonore, à travers la chaîne des osselets, le tympan, vers le conduit auditif externe, et il sera capté par le microphone. Donc tout ça va être transmis à l'appareil qui va enregistrer une courbe. C'est ce qu'on appelle auto-émission acoustique provoquée transitoire, provoquée parce qu'on a provoqué ce mouvement par le son qu'on a mis dans le conduit auditif externe. Voilà, ça c'est le principe en général. Donc le résultat c'est quoi? Donc ce qu'on va donner au patient, c'est un clic. Un clic, c'est un bruit qui n'est pas filtré pour couvrir un large spectre de 700 à 5000 Hz. D'accord? Donc c'est un son qui va stimuler l'oreille interne après une latence variable de 5 millisecondes en général, qui correspond au temps de transmission de l'onde sonore et du retour. Donc, en général, c'est 5 millisecondes. Vous voyez déjà que c'est très rapide. On aura la courbe qui se dessine sur notre appareil. Donc c'est ça le résultat qu'on aura sur l'appareil. Alors, l'interprétation, c'est très important, je trouve. La présence d'auto-émission acoustique, donc la présence de cette courbe, témoigne que le patient n'a pas de surdité qui dépasse les 30 décibels. Donc, il n'a pas de surdité qui dépasse les 30 décibels. Pourquoi les 30 décibels? En fait, l'auto-émission, c'est quoi? On va capter l'activité des cellules ciliées. Donc, chaque cellule ciliée va donner sa contribution. Et la somme de toutes les cellules ciliées sera enregistrée sur la courbe. Donc, au-delà de 30 dB,
Donc l'activité ne sera plus enregistrable. C'est pour ça que les auto-émissions acoustiques, lorsqu'ils sont présents, ça veut dire que l'enfant, soit il entend, ou bien il a une surdité, mais qui ne dépasse pas les 30 dB. Donc au-delà de 30 dB, on n'aura plus de réponse sur l'appareil. Alors, il y a également une chose très importante à noter, c'est qu'il y a une possibilité de l'atténuation par des pathologies de l'oreille moyenne ou bien l'oreille externe. Donc, vous avez vu qu'on donnait un son qui est transmis par l'oreille externe, l'oreille moyenne vers l'oreille interne et qui est recapté par la même voie. Donc tout obstacle dans ces régions, ça peut entraîner de faux résultats. D'accord ? Ça c'est premièrement, donc vous voyez qu'on a le problème d'éventuelle atténuation par l'oreille externe, l'oreille moyenne. Alors, deuxième problème, vous avez vu, on donne un son qui va jusqu'à la cochlée et qui revient. Donc, on n'a pas exploré ce qu'il y a au-delà. D'accord? Donc, automatiquement, s'il y a un problème au niveau, un problème au niveau du nerf ou bien un problème central, on ne pourra pas le détecter par les auto-émissions acoustiques. Donc, ça, c'est très important à connaître avant de pratiquer les auto-émissions acoustiques. Donc, on a deux problèmes. Le problème de la transmission, oreille moyenne, oreille externe, et le problème pour les neuropathies auditives et surdités centrales. Alors, pour ces cas particulièrement, ce qu'on fait, quand on a un contexte particulier, c'est plutôt l'indication d'un autre examen qui est objectif. Les PEA. C'est les PEA. Voilà, c'est pour explorer au-delà de la cochlée. Alors, également, pour l'interprétation de résultats, il faut savoir qu'il y a également quelques problèmes. Le taux de réponse est variable en fonction de l'âge de l'enfant. Ça a été évoqué hier par une sage-femme. Alors, à J0, on a moins de 70% de taux de réponse. J1, ça augmente jusqu'à atteindre 80-90% à J4. Ceci est dû à quoi? Alors, la présence de liquide amniotique, juste après la naissance dans le conduit, la présence de débris dans le conduit auditif externe, le conduit auditif externe qui est encore maniable à la naissance, donc ça peut se fermer, ne pas permettre la transmission des ondes sonores, et la présence éventuelle d'une otite séromucose. Donc, on voit déjà que, il a été noté que le simple nettoyage du conduit auditif permettrait de faire passer ce taux de réponse de 76% à 91%. D'accord? Alors, on va faire, il faut faire attention également aux faux positifs et aux faux négatifs. Déjà, il faut savoir qu'un faux positif, ça veut dire, il y a une réponse positive, c'est l'absence des auto-émissions acoustiques. D'accord? On parle de positif lorsqu'il n'y a pas d'auto-émissions acoustiques. Le faux positif, c'est lorsqu'on a les auto-émissions acoustiques qui sont absentes avec une audition normale. Vous connaissez cette situation normalement, par exemple? Voilà, exactement, c'est les situations dont j'ai parlé. Donc c'est les problèmes de transmission, par exemple, de l'onde, soit un problème du conduit auditif externe ou un problème de l'oreille moyenne. Donc ça, c'est un faux positif. Alors deuxièmement, on peut avoir un faux négatif, c'est l'absence d'auto-émission acoustique, plutôt la présence d'auto-émission acoustique alors que l'enfant n'entend pas. Voilà, exactement. C'est les neuropathies et les surdités centrales. Donc ça, c'est les faux positifs. Les surdités centrales, il y a une seule pathologie, parce qu'on a posé la question, qu'il y a une seule pathologie neurologique, mais pas c'est des surdités d'origine centrale. Non, il y a les surdités, lorsqu'on a un problème au-delà de la cochlée, les sens sont négatifs, parce que le principe, vous l'avez vu, ça existe. Même au niveau du nerf, même au niveau du nerf, ça sera un faux négatif. Oui. Exactement. Okay. Alors voilà, donc vous voyez bien qu'il y a un risque de faux positif et de faux négatif. Donc il ne faut surtout pas parler de surdité déjà dès qu'on a des émissions qui sont absents. Donc il ne faut pas inquiéter déjà les parents, parler de surdité parce qu'il peut s'agir d'un faux positif ou d'un faux négatif. Alors, qu'est-ce qu'on fait en cas d'absence d'auto-émission acoustique? Premièrement, il faut adresser l'enfant pour une consultation ORL standard. Après, on va réaliser de nouveaux tests pour confirmer ou infirmer ce qu'on a déjà trouvé. Alors, si on trouve que les potentiels, plutôt les auto-émissions acoustiques sont présents, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous avez fait les auto-émissions, vous les avez trouvées négatives, vous l'avez adressé, on a examiné le patient et les auto-émissions sont présentes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est, on ne fait rien. D'accord? Pas de suivi, donc l'enfant entend normalement. Alors, la deuxième situation, c'est lorsque les auto-émissions sont présentes, mais l'enfant présente des facteurs de risque. Qu'est-ce qu'on fait? Rendez-vous. Voilà. Donc, on doit quand même surveiller. Alors, troisième situation, c'est lorsque les auto-émissions sont absentes. Là, il faut explorer. Donc, il faut refaire. D'accord? Et éventuellement compléter par des PEA. Parfait.
Alors, quand est-ce qu'on doit faire tout ça? Alors, si l'atteinte est unilatérale, en général, ce n'est pas urgent parce qu'il n'y aura pas de retentissement vraiment sur l'enfant. Par contre, il faut le faire rapidement s'il s'agit d'une absence bilatérale. Donc, l'idéal serait de faire un dépistage systématique, d'accord? Sinon, au moins de savoir dépister les enfants à risque. Donc, on a vu hier les facteurs de risque. Ceci permettrait une meilleure prise en charge parce que l'idéal c'est de prendre en charge quand c'est possible les enfants précocement. Alors on a parlé des auto-émissions acoustiques qui, vous avez vu, c'est un moyen simple, objectif, non invasif et fiable. Alors j'ai profité de la présence de l'appareil entre nous pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc vous voyez, c'est ça, c'est très simple. Alors on va juste mettre, on a des embouts de taille variable. Donc vous voyez qu'il y a des tout petits qui peuvent être utilisés dès la naissance, il y a de toutes les tailles. Donc on va utiliser un embout en fonction de ce qu'on a de la taille de, du conduit, voilà. Il suffit de le placer ici. Voilà, donc l'appareil est placé dans le conduit auditif externe. Il suffit de faire ça en fait. Et l'enregistrement sera fait sur le... sur l'appareil, et on pourra même imprimer le résultat. Donc vous voyez que c'est très simple. Donc la réalisation, elle est très simple. Il faut juste respecter les conditions, l'insonorisation, le calme, et également savoir interpréter les résultats. Voilà. Merci. Je vous remercie. S'il y a une personne qui pourrait porter volontaire pour l'appareil, même s'il n'est pas fonctionnel. Alors je vous informe que l'appareil, là, c'est le moins cher. Et dans l'enquête Café Boudjinec, c'est avec ça, quand il vous a donné les chiffres, le HAP, il a servi. Quand on a fait Alger, on avait utilisé Maxolo. Nous avons utilisé cet appareil au niveau d'une des wilayas, et c'est un appareil que quel labo nous a prêté, Boudjinec. Mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il est rechargeable par batterie. Donc si vous devez, les gens de la DSP, d'inciter le DSP pour l'achat, c'est-à-dire de donner les directives pour l'achat ou le directeur de l'hôpital, il serait plus intéressant d'acheter celui-là. La chose qui est chère est beaucoup plus durable. Maintenant, concernant la prévention et l'étude qu'il veut faire par rapport au dépistage, ça c'est à eux de décider, parce qu'il faudrait, vous savez très bien quand on fait une étude, il faut le même appareil, les mêmes paramètres. Donc ça, c'est pas moi qui vais écouter de la France, c'est avec les responsables de la... Donc c'est pas encore... Donc s'il y a quelqu'un... Pour le moment, il y a certains, je peux vous dire, Alouette, ils sont vraiment le DSP d'Alouette. D'ailleurs, celui qui a commencé l'activité, c'est le DSP d'ici. Donc il faut profiter à des changements de DSP. Il vaut mieux profiter dès maintenant. Essayez de parler même au niveau des EPSP, essayez de voir avec vos directeurs, tous vos directeurs, pour l'achat de l'appareil. Pour ce qui est de cet appareil, il ne coûte pas cher. C'est 180 000 euros. En centimes. Demandez-moi tout ce que vous voulez sur l'argent. Je me tranche toujours. Parfois, je fais des bêtises. Voilà. Les embouts sont là-bas. Les embouts se nettoient. C'est récupérable. Pour ce qui est de l'appareil, j'aimerais bien. C'est possible, docteur? Pour le moment, ça marche. Est-ce qu'ils peuvent le faire passer? Oui. Essayez de voir, de familiariser avec l'appareil. Vous mettez au niveau de l'oreille. Maintenant, s'il ne marche pas, il est bien emballé, C'est trop cher. En conclusion, vous avez dit qu'on doit dépister. Oui. Avec le moyen. Oui. Vous pouvez déjà, vous avez deux types de dépistage. Vous pouvez déjà commencer avec ce qui a été appris hier, c'est-à-dire avec l'interrogatoire. Et le bruit, on se fait ce qui est censé être. Et vous n'en pensez pas. En cas de il y aura probablement c'est les hivers qui va organiser, le professeur Lissinberg qui va organiser tout ça avec son église. Il y aura probablement des personnes référentes au niveau des PMI de préférence. Ces personnes référentes au niveau des PMI
auront peut-être qu'il y aura un roulement. Peut-être que si je prends, je ne voulais pas les. On a 10 EPSP. Attendez deux, non. EPSP Batna, le PSP Rasnaïm, par exemple. Le PSP Batna, ils vont programmer les éléments suspects de PSP de Batna viendront le mardi. Le PSP de Berika, ça sera le jeudi. Et ainsi de suite, il y aura un programme. Et c'est avec votre collaboration que vous allez vous organiser entre vous. Et en fait, à la fin de cette émission, je ne vais pas anticiper les choses. Il y aura une petite organisation qui va se faire ici et qui sera transmise à l'équipe. Et c'est le porte-parole du professeur Messibert, c'est le docteur. Est-ce qu'il y aura pas, on pourrait pas faire une collaboration entre les EPH et le HS Batna, les autres EPH, parce qu'il y a certains établissements hospitaliers au niveau de la ville, un dans des médecins spécialistes en ORL, donc les EPSP de la région peuvent orienter vers ces ORL et eux, donc ça serait plus facile d'un machine scolidium. L'essentiel pour le médecin, c'est de, avant de passer à autre chose, de passer au dépistage. Je vais vous poser une question dans la communication qu'elle vous a présentée. Quelles sont les questions que vous voulez poser? Là où vous n'avez pas très bien saisi, essayez de, on ne passe pas d'une étape à une autre, essayez de voir d'abord avec elle. Mais c'est la communication, une question. Oui. De la surdité chez le nourrisson, alors c'est le babymat. Quelles sont les différences entre le babymat et les auto-initiants acoustiques? Le babymat, c'est un moyen de. C'est une endoscopie qui est faite chez l'enfant. C'est une audiométrie faite chez l'enfant. D'accord? Les différents tests qu'il a fait, le babymat, le bip show, tout ça, c'est des moyens d'audiométrie. Donc, c'est pas un moyen d'exploration, c'est pas un moyen de dépistage, d'accord? Donc c'est un enfant qui est suspect et on fait ça pour confirmer est-ce qu'il a une surdité ou pas. Alors les auto-émissions, on les fait avant même, on peut les faire à la naissance. Dès la naissance, on peut le faire. On met notre auto-émission et on pourra savoir si l'enfant entend ou pas. Par contre, les moyens, donc le baby-mère, le bip-show, tout ça, c'est des moyens d'exploration d'audition chez l'enfant. Parce que chez l'enfant, on ne peut pas faire de tests subjectifs, qui sont l'audiométrie, tonale, liminaire, etc. Donc c'est des moyens, par exemple, par conditionnement de l'enfant là, peuvent remplacer l'audiométrie chez l'adulte. Donc ça, c'est un test de dépistage qui permet de voir est-ce que les sinusiliers fonctionnent ou pas. L'autre, c'est pour examiner l'enfant, pour compléter un examen clinique, exploration, est-ce que l'enfant entend ou pas. À quel âge on peut utiliser ce dispositif? L'auto-émission. Babymètre, c'est en général les premiers mois de la vie. C'est jusqu'à 6 mois. Voilà. On a donc à chaque âge, on a des moyens d'exploration. C'est en fonction en fait du développement psychomoteur de l'enfant, des capacités de l'enfant. Les réflexes, par exemple, d'orientation, c'est à un âge. Après, quand on aura un développement plus important, on pourra faire un conditionnement. Donc c'est en fonction du développement psychomoteur de l'enfant. Avec la présence de faux positifs et faux négatifs. Oui. Donc, en conclusion, le dépistage ne peut pas être concluant à 100%. Il n'est pas concluant après un seul test. C'est pour ça que je vous ai mis la conduite en cas d'absence d'auto-émission acoustique. Voilà. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai complété par ça. Parce qu'un test positif, c'est bon, on est tranquille. D'accord, sauf s'il y a des facteurs de risque. Mais s'il est négatif, il faut pousser l'examen. Donc, orienter l'enfant pour un deuxième test. S'il est encore négatif, complété par des PEA, ce qui vont permettre de confirmer et d'infirmer. S'ils sont positifs, donc on est tranquille. En cas de faux positif, faux négatif, dans ce cas-là, il y aura des cas qui peuvent nous échapper. Par exemple. Vous avez dit que les neuropathies. Il faut rechercher les facteurs de risque. Les neuropathies en général ont un contexte particulier. C'est avec le temps qu'on va le découvrir. Non, pas forcément. Vous parlez des surdités d'origine centrale, des neuropathies. Alors, on a un contexte particulier. Donc, on retrouve un des facteurs de risque.
qu'on a énumérés hier. Donc, on a des facteurs de risque. Donc, c'est un enfant qui a particulièrement des facteurs de risque, donc qui aura systématiquement des TEA et non pas des autonomissants impossibles, parce qu'on sait qu'on aura des autonomissants qui sont en 13 ans. Alors, pour un nouveau test, on peut le faire même le lendemain. Ce qui est préconisé dans les études, on dit qu'on peut attendre jusqu'à un mois pour le faire, pour être sûr. Vous avez vu, lorsque j'ai mis les J1, J2, J3, déjà en passant d'une journée à une autre, on aura un taux de réponse qui est plus important. Vous avez parlé de faire les tests chez un grand primaire. Des fois, les primaires, c'est trop... Donc, deux journées et plus, on dirait. Oui. Alors, il y a également... Oui. Voilà. Alors, il y a également une chose importante par rapport à l'âge. Oui. Parce que le prématuré, voilà. Oui. C'est surtout par rapport à l'âge. Je vais vous dire une chose. Les cours, ce que vous avez vu... Alors, normalement, j'ai mis une cour. Par exemple, Khalil, c'est une cour. Alors, si on fait ce test, avant, en principe, c'est un nouveau-né, d'accord, qui sont plus importantes et plus rapprochées. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge, chez les adultes, par exemple, les courbes seront plus petites, plus faibles. Donc c'est en rapport avec les cellules aussi internes, c'est la maturation et le vieillissement des cellules ciliées. Chez l'adulte, les courbes ne sont pas aussi évidentes que celles-ci. Donc chez le prématuré, j'ai pas mis des courbes qu'on n'est pas trop chargées, mais on a des courbes qui sont où il y a beaucoup d'ondes qui sont rapprochées. Voilà, exactement. Et on parle, alors selon les études, c'est à partir de 30 semaines d'âge conceptionnel qu'on a les meilleurs résultats chez le prématuré. Ils sont pas viables. Vous avez d'autres questions? Madame, le principe d'action de cet appareil, est-ce que le même... C'est comme le tympanogramme, si vous avez vu le tympanogramme dans le service. Oui. Voilà. Il suffit de mettre la sonde, vous avez fait le test? Oui. Il suffit de mettre l'embout dans le conduit, on a la courbe qui se dessine. Donc c'est le même principe. Et aussi les sondes d'échographe. Presque même principe. Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire ça. Oui, l'émission des ondes sonores. Ah, la récupération des ondes crassantes. La récupération et le traitement. Oui, c'est bien. Peut-être que ça lui permet de comprendre, on émet quelque chose et on reçoit quelque chose. Voilà. En cas de sondage congénital, qui peut générer des maladies? Les plantes. Là. C'est comme ici, par exemple. Oui. C'est une courbe qui est plate. On n'a pas d'ondulation. En fait, la courbe ici, là, c'est les fréquences aiguës. Ici, c'est les moyennes. Et ici, c'est les fréquences graves. C'est comme ça qu'on est après qu'une courbe. Quand il s'agit de sondité congénitale, est-ce que c'est les deux oreilles ou ça? En général, les congénitales, c'est bilatéral. Bilatéral. En général, c'est bilatéral. Il y a des différences de localisation. Oui, c'est par rapport, voilà. C'est les cellules parce que sur la cochlée, il y a une répartition des cellules ciliées internes qui vont recevoir les différents types de sang. En général, le sang aigu, il est perçu à l'apex. C'est pour ça que c'est les premiers qu'on voit sur la courbe. Donc, ça correspond aux cellules ciliées de l'apex. On va dire c'est les moyennes, mais c'est les graves qui sont au niveau de la base, qui sont un petit peu les plus loin par rapport à l'apex. En cas d'autisme. Oui. Donc, ça dépend s'il est associé à une surdité. Ah, non. Non. S'il a une surdité, non, si longtemps on aura une courbe normale, si longtemps pas, il n'y en aura pas. Donc, c'est un problème à part, c'est une association. Il n'y aura pas une modification simple. Normalement, non, s'il n'a pas de problème d'audition, on n'aura pas de modification de la vue. C'est bon? Donc, ça va différer en cas d'agitation? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut que ce soit dans le calme, le sommeil. Voilà. Même le bruit ambiant, parce que ça va pousser également les résultats. Il faut savoir que c'est un bruit qui est très fin qu'on va détecter. Donc il faut essayer d'avoir le plus de temps. Dans ce cas, on ne peut pas faire de test au niveau des PMI, puisqu'il y a la vaccination et les cris. Il faut choisir un endroit où c'est calme. En fait, pour les appareils les plus récents, il y a des options qu'ils ont intégrées qui permettent de diminuer un petit peu le bruit ambiant, donc pour avoir de meilleurs résultats.
Mais l'idéal, c'est de le faire dans une salle insonorisée. Ils ont des murs de séparation. Oui, oui, adapté. Puisque la salle des bureaux garde pas mal. Voilà. Là, créer une unité peut-être. Spécialement, oui. Un dépistage. Oui. J'espère qu'on y arrivera un jour. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, et on reste à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit en matière de dépistage ou bien si vous avez des questions à vos patients. Donc, vous pouvez venir quand vous voulez. Vous avez des programmes. Vous avez la chance d'avoir quelqu'un ici, un service ici avec une très bonne équipe. Là, vous, on a fait exprès de vous faire familiariser avec l'un de ces élèves. Et je pense que vous avez vu sa disponibilité et son contact qu'elle a avec vous. Je pense que vous pourrez faire du très beau travail ici, à vous de jouer. Et c'est à vous, je vais vous dire une chose, pour la formation, il faut l'arracher. Ce n'est pas à la DSP de vous arrêter ou de vous solliciter, c'est à vous de voir avec vos responsables. Et si jamais vous ne répondez pas, là vous adressez à madame, vous l'appelez, vous lui dites elle m'était bien de la formation la formation pratique, elle vous l'appelle. Elle s'organisera, elle enverra un papier de la DSP disant que voilà, toute personne qui a bénéficié de la formation ici, le nombre que vous êtes ici, elle s'en occupe, elle a la liste, elle a les noms, elle a les numéros de téléphone, elle va vous faire un courrier adressé à vos directions, leur disant que vous ouvrez droit à l'ouverture d'une formation pratique à raison d'une fois par semaine. Je pense qu'une seule séance suffira. Suffira une seule séance. Donc une séance pour accentuer la formation pratique. Voilà. Maintenant, concernant ce niveau de particulier, donc pour la formation, la rétro-humain, ils veulent généraliser la formation à l'ensemble du personnel parce que c'est évident. D'examen clinique qui manque parce que je suppose que vous faites très bien l'autoscopie à la sténotoscope avec la loupe et tout. Petite séromuqueuse, l'autoscopie peut être tout à fait normale. Hein. Donc il faut savoir plutôt, il faudra peut-être faire des formations par rapport aux signes d'appel des différentes pathologies, surtout les plus fréquentes. Parce que petite séromuqueuse, en général, c'est la desposition, c'est le retard scolaire, donc ça intéressera également les médecins. Voilà, exactement. Donc on devrait peut-être faire quelques petits rappels, c'est la formation médicale continue, par rapport aux signes d'appel, par rapport à l'autoscopie, peut-être, avec des petits groupes, parce que je suppose que ce matin, ça n'a pas été très évident, la structure a été un peu petite, mais par rapport aux pathologies les plus fréquentes, oui, ça serait bien de faire, on va essayer peut-être de faire. Quel genre de formation vous voulez envisager, à votre avis? Quand vous parlez comment vous voulez l'organiser, elle est là la représentante. Sur les otites en général, qu'est-ce que vous voulez quand même? Les angines à résidus. Les otites aiguës, les otites chroniques, on peut faire des rappels comme ça. Les otites séromuqueuses, parce que c'est également ça en rapport avec la quantité, cette fréquence. Je crois que deux jours de formation, c'est tellement court que ça passe très vite, mais l'essentiel, ces deux journées, elles sont riches en enseignement. Comme il a dit M. le professeur Misabé hier, les États-Unis commencent à dépister les enfants de 0 à 3 ans à l'âge de 0 jour pratiquement à une journée. Pourquoi pas nous, on peut pas le faire. Donc c'est une question de volonté et il faut s'intéresser directement parce que si on fait une formation rien que pour former, ça n'a aucun sens. L'essentiel c'est de s'impliquer davantage pour le dépistage de la surdité de l'enfant de 0 à 3 ans. 2007,
qu'il est disponible à tout moment, surtout avec le docteur Gougan, à chaque fois qu'on l'appelle, elle est disponible. La DSP aussi, les portes de la DSP sont aussi ouvertes pour la sécurité ou pour autre chose de formation, ainsi qu'on en a parlé tout à l'heure, de l'otite, des végétations, des hypertrophies amygdaliennes, ainsi que l'apnée du sommeil. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que vous avez passé deux bonnes journées avec Dr Boudin. Vous avez bien saisi ce qu'elle cherche de ce dépistage. Et je vous remercie. Je donne la parole au directeur d'établissement. Merci, c'est DSP. وان شاء الله نكونوا اولا نشكروا على هذه المبادره الطيبه وفي هذا التكوين هذا اللي باقي ان شاء الله احنا يكون فايده ل اول حاجه لينا والمريض ثانيه بوكو بليس للمريض ان شاء الله راح تكون مبادرات واحده اخرى في اوتر دومين ان شاء الله في التكوينات هذو احنا كما كان يقول السيد مدير الصحه الابواب مفتوحه للجميع سواء طاقم طبي او شبه طبي احنا علينا الدعم وانتم عليكم المبادره ان شاء الله ربي يوفقكم ونشكركم جزيل الشكر. On prend la parole à Dr Gougan pour clôturer. Je pense qu'ils ont fait le tour et je pense que aussi vous deux, les deux parties, ont une grande volonté. Et ça, c'est très important. Et je peux vous dire que ce n'est pas pour jeter des pleurs, mais il y a peu de wilayas actuellement, on a rencontré, vous êtes la troisième wilaya qui s'est vraiment intéressée au sujet. Inch'Allah, ça marchera. Au niveau du PMI, à vous de discuter avec les gens de l'ORF comment vous allez organiser ça. Vous, de votre part, quand vous allez descendre chez vous, au niveau de votre PSP, faites de la publicité et dites qu'il faut dépister l'enfant quand il est jeune. Et quand il est jeune, dans tous les domaines, dans toutes les pathologies. Ce que je peux vous dire, que la direction de la formation, mon directeur particulièrement, dès que je lui annonce une proposition, écoutez, allez-y docteur Gougan, je vous suis, il n'y a pas de problème. Donc si jamais monsieur le DSP, vous avez besoin d'un soutien dans le domaine de la formation continue, appelez-moi, madame Akan. Collègue Gougan, je suis sous vos ordres. Il n'y a aucun doute sur ça. Je suis sous vos ordres, à n'importe quel moment. Merci à vous, merci à monsieur le directeur de nous avoir accueillis chez vous et d'accueillir futurement les éléments. Et barakallahu fikoum. Thank you.